phase défensive, c'est-à-dire qu'on a enfin compris qu'il fallait défendre, défendre dur dès les premières minutes. C'est ce qui nous manquait depuis le début de saison, notamment à domicile. Donc on avait déjà commencé à être très cohérent contre Poitiers. Et puis là, on a confirmé ce soir en prenant 34 points en première mi-temps. Just, you know, communication and just, you know, getting out there and, you know, stopping the perimeter players, you know, the guys that's going to, you know, go out there and try to score for their team. We try to stop those guys. On savait que notre salut passait par l'agressivité en défense pour le maintien cette saison, et c'est ce que tout le monde a compris, je pense, depuis deux matchs maintenant. On l'a montré contre Poitiers, maintenant il fallait confirmer à domicile. Un petit peu euphorique, hein. Tous les tirs qu'on prenait, ça tombait dedans. Et bon, après, l'ASVEL ne nous a pas trop empêché non plus de nous mettre en position. Ils ont été relativement laxistes en défense, et on sait que nous, on a des qualités offensives et on a des joueurs qui peuvent mettre dedans, et ça a été le cas ce soir. Après, on sait qu'on a une équipe qui, quand elle est en confiance, est capable de mettre beaucoup de tirs. Jusqu'à maintenant, offensivement, à l'image du match de ce soir, on a été toujours en capacité de mettre beaucoup de points. On a eu la chance d'avoir beaucoup de réussite, ce qui nous a aidé aussi à créer un bel écart et de l'emporter assez facilement sur la fin, donc c'est tout bonus. D'avoir des meneurs comme Garrett ou Akono, c'est facile parce que Loïc, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc il sait où me trouver, on se trouve les yeux fermés. Et Garrett, il se font bien dans le collectif depuis qu'il est là. Chaque match, il apporte un peu plus, il comprend de mieux en mieux la philosophie du coach. Et c'est vraiment une belle recrue, et je pense que c'est plus facile, c'est sûr, d'avoir deux meneurs comme ça qui sont plus dans la passe, la création que dans le scoring et les stats individuels. Garrett a ce compromis de faire jouer l'équipe et à la fois d'être décisif dans les moments clés, d'être capable de scorer lui quand il faut. Oh yeah, I like playing with the team, you know, a lot of guys, you know, from America, and a lot of guys, you know, talk English too, so, and it's like, you know, fun talking to the guys and playing, you know, on and off the court, you know.